Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai montré comment charger un preset sur Additive Key. Donc là vous avez l'Additive Key et donc là vous venez ici, vous faites clic gauche et vous choisissez votre preset. Vous faites OK. Donc là votre preset est chargé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres sujets de vidéo et au revoir.